Salut, et bienvenue sur ma chaîne GB Automobile. Si vous êtes nouveaux, abonnez-vous et suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Aujourd'hui, on parlera du branchement d'un moto-ventilateur en direct. Pourquoi brancher un moto-ventilateur en direct? Premièrement parce que le capteur de température d'eau étant défectueux et n'envoyant plus les informations au module sur son état afin d'enclencher le ventilo. Généralement, les propriétaires de véhicules sont en manque de moyens pour procéder à son remplacement, et certains disent qu'ils le font parce que le moteur chauffe énormément. Est-il conseillé de le faire? La réponse dans une prochaine vidéo. Passons au branchement du moto-ventilateur en direct. Nous avons besoin comme outil d'un relais à fermeture et des câbles de branchement. L'image illustrée vous présente son branchement en direct. Nous avons là la batterie, par la suite le contact horn, et en bas ici le relais à fermeture, sans oublier le moto-ventilateur. Le circuit de commande de notre relais doit être relié ou à la masse carrosserie et l'autre bout au plus après contact, qu'on va récupérer sur notre contact horn. Le circuit de puissance tank à lui serait relié sur le moto-ventilateur en tant que borne négative, et autre deuxième fil du moto-ventilateur, doit partir sur un plus avant contact. Comment ça marche? Dès que le conducteur va mettre le contact, celle-ci enclenchera l'enroulement du relais qui va générer un champ magnétique, et fermer le circuit de puissance, c'est ainsi que le moto-ventilateur se mettra en marche. N'oubliez pas de vous abonner, si vous êtes nouveau, et à bientôt pour une prochaine vidéo.